Bon, après maintes et maintes recherches en bord de route, nous sommes tombés sur le mât abandonné. C'est parti. Bon, il est clairement en sale état, mais... Je pense qu'il est immense, hein, parce que... Là, c'est les premières pièces. Mais de l'extérieur, vu comment il était fat, on va avoir de quoi visiter, je pense. Hein. Oh, il y a la cuisine, apparemment. Oh, ça plein de... Le four à pizza. Ouais, le four à pizza. Bah oui, c'est encore ouvert, là. Mais là, je pense pas qu'on puisse y aller. Oh là, c'est quoi ça? C'est glauque. C'est grave. Il y a un sac avec des affaires par contre. T'as vu un quoi? Un serpent. Non mais c'est Samantha, elle psychote. Hein. Ouais, grave. Et tu le vois encore là? Ah. Et là, il est entre les feuilles. Où ça? Tu vois le tronc d'arbre, il y a un truc qui bouge là-bas. Ouais. Un cabané. Oh putain, c'est horrible. Oh. C'est sûr? Bah non, mais c'est génial. C'est trop beau. Bien. Hein. On dirait que ça a cramé. Ah ouais, là, ça, il y a eu un squat là, c'est clair, vu le nombre de bouteilles. Ils se sont fait des feux ou quoi? Mais regarde, les murs, ils sont cramés. Mais alors ça, si je le dis dans une de mes vidéos, je ne comprends pas. La plupart des lieux que je visite, c'est cramé. C'est cramé, moi. Ouais, il y a beaucoup de choses cramées. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas l'expliquer. Car il y a encore les... Oh, putain, ils sont remplis des salles. Les boutons et tout, quoi. Ah, les rideaux! Il y a même encore un petit paillasson. Oh, il y a un escalier en haut. Ouais! C'est dingue! Je suis jamais allée dans les trucs comme ça. C'est des chiottes! Détendez-vous! Hein. Oh, c'est kiffant! Non, mais j'ai peur d'en aller. Moi aussi, j'ai peur, il y a un truc. En plus, c'est la végétation qui rentre au final, c'est trop rouge, c'est la douche. Mais attends, mais tu te rends pas compte comme il était trop beau, quoi, la vue qu'ils avaient sur les vignes et tout. Oui, c'est par contre, t'avais vu, ça commence à s'effondrer au-dessus. Hein. Ça veut dire qu'il y a des étages, encore. Ouais, il y a des ouais, les petites cheminées par chambre, je trouve ça génial. C'est beau, hein. Ah, mais moi, j'ai déjà... Putain, mais c'est un labyrinthe le truc, quoi. Oh non, mais c'est immense! Oh, c'est trop fou! Ah, mais là, ça m'a pas l'air d'être hyper stable. C'est quoi cette cage au lapin là? Vous marchez pas là à droite, hein? Ouais, non. C'est là où ça s'écroule en bas, là. What? Mais c'est... Wow. Oh, mais c'était quoi? Mais dans la maison? Il y a un cahier. Je ne fais pas de bruit quand la maîtresse répond au téléphone. Je ne fais pas de bruit quand la maîtresse répond au téléphone. Ah, il a été... J'étais collé. Le portage... Avec ses amis, qu'est-ce qu'il y a là? Ça, c'est le danger, quoi. Bon. T'ouvres une porte et d'un coup t'es dans le vide. Ça arrive que dans les films en fait. C'est ça. Ah oui, mais ça c'est... Enfin, il y en a plein de trucs comme ça dans les vieilles granges là. Vas-y, saute. Ah, mais il y avait un toboggan. Oui. Tu vois, putain, c'est... T'imagines si 1990. 1990. Le journal y date. 15 février 1990. Oh putain. Et c'est au nom de Graille Michel. Oh, on va faire des recherches, voir s'il est mort. Graille Michel. Mais regarde ça. Vas-y, prends le journal. Ouais. Affaires et tout, mais c'est dingue, même un calendrier. Date de quand? Je sais pas. 89. Oh là là. Non, mais ce qui est fou, c'est comment on est arrivé jusqu'à cette pièce là, quoi. Ouais. On avait l'impression de passer dans un placard. C'est vraiment genre 90, quoi. C'est ça date, quoi. Notre invité Raymond Lacombe, agriculteur dans l'Aveyron, présente
président de la FNC ou quoi. Mais je t'en ai passé par là. Non. Puis Vaucluse agricole, ça doit plus exister ça. Là-bas aussi, il y a un truc. Non, on a bien tout visité, hein.